Nouveau numéro de l'échiquier international, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Al24 News. Nouveau thème à débattre ce soir, il sera question de l'actualité en France. Retour sur une journée sous haute tension, un 1er mai donc explosif marqué par des tensions à Paris mais aussi dans d'autres villes du pays. Nous allons décrypter cette crise sociale en France dans un instant avec nos invités, restez avec nous. Des centaines de milliers de personnes étaient ce lundi 1er mai dans les rues de France. Un 1er mai qui fait figure de 13e journée de mobilisation intersyndicale contre, vous le savez, cette très controversée réforme des retraites dont le passage en force a véritablement mis le feu aux poudres dans le pays. Les manifestations d'aujourd'hui ont été émaillées de violents heurts à Paris, Nantes ou encore Lyon. Nous allons justement revenir sur ce climat social délétère en France, ce malaise qui semble en tout cas persister. Nous donnerons justement dans ce numéro de l'échiquier international la parole à des Français issus de l'immigration au moment où en France on évoque parfois leur peu de visibilité dans les manifestations mais aussi dans le débat politique. Ils tenteront en tout cas de nous expliquer leur vision sur ces réformes engagées actuellement en France. Et pour en parler, nous avons avec nous Nasser Kabat. Bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis Lyon, vous êtes militant associatif très actif en Algérie mais également en France. François Deroche, médecin, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières est également notre invité, bonsoir. Bonsoir à vous. Et participera également, merci à vous monsieur François Deroche, et participera également au débat Gamal Abina, chroniqueur, analyste politique. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. On va revenir dans un premier temps sur ce qui a marqué donc la journée d'aujourd'hui, ces images impressionnantes qu'on vient d'ailleurs de voir et ces débordements diffusés en boucle ce lundi. Que je vous propose d'ailleurs de regarder. Selon vous, que révèlent ces images? Je commencerai d'abord avec vous, Nasser Kabat. Vous avez justement participé au défilé dans la ville de Lyon et vous avez été témoin de ces débordements. Disons qu'effectivement, j'étais à Lyon, au cœur un peu du quartier central de Lyon, Bellecour-la-Guillotière, où on va dire que majoritairement, le cortège des manifestants, des gens qui sont venus traduire leur mécontentement à cette réforme qui fait polémique déjà depuis plusieurs mois, c'est plutôt bien passé. Et puis d'un coup, de la foule, vous êtes sortis de nulle part, des centaines de personnes cagoulées et qui s'en prenaient à tout ce qui bouge, aux biens matériels, aux magasins, aux banques. Et c'est assez impressionnant, j'ose vous le dire. C'est plutôt alarmant de voir que finalement des citoyens, hommes et femmes, viennent traduire un mécontentement d'une loi qui a été votée en force, je voudrais dire, à travers un 49-3, oui. De voir ces gens surgir de partout et de nulle part, mettre le feu à des voitures, mettre le feu, pousser les gens, jeter des pierres, des cailloux, des barres de fer, des barres à mine, mais finalement, s'en prendre finalement à tout le monde, au-delà de s'en prendre aux forces de l'ordre, de s'en prendre aussi à tout le monde, et je crois que c'est pas du tout une forme, pour moi en tout cas, du renforcement de la démocratie, bien au contraire, c'est un affaiblissement de la démocratie, c'est une expression si violente. Mais cette tension, elle traduit sans doute un gros malaise qui semble en tout cas persister, n'est-ce pas François Deroche? Effectivement, aujourd'hui, il y a un véritable malaise, et bien malin celui qui saura vous dire de façon extrêmement précise ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir, les mois à venir. Aujourd'hui, quand même, on peut constater que l'unité syndicale, malgré tout, elle tient le choc. On va dire que c'est pratiquement le 1er mai de ces 30-40 dernières années le plus important. Si aujourd'hui, c'est une journée historique, avec toute cette unité qui tient encore le choc malgré la durée, parce que rappelez-vous cette réforme de retraite, maintenant on est à 6 semaines. Rappelez-vous également des gilets jaunes et comment le mouvement s'est éteint, sauf malgré aujourd'hui, malgré les moyens policiers, malgré votre invité à parler de casseurs, effectivement. Mais la chose la plus grave
Aujourd'hui, bien sûr, il y a des casseurs et c'est inacceptable de voir de gens qui viennent couvrir, par exemple, en peinture de la façade Louis Vuitton. Vous savez, je ne suis pas très fan de Louis Vuitton, mais aujourd'hui, aller casser Place Vendôme, ils sont partis également. Ils s'en prennent au moment où là où il y a la concentration de l'argent. Je voudrais quand même rappeler que cette difficulté provient surtout du fait que l'agence Fitch en invoquant l'article 49.3, aujourd'hui, considère que la mobilisation sociale va baisser aujourd'hui à cause de cette mobilisation sociale que cette agence Fitch, qui est le langage que comprend M. Macron, parce que M. Macron, avant tout, il était banquier. Donc aujourd'hui, effectivement, il peut se sentir quelque part en insécurité. Aujourd'hui, il y a une impasse politique. Une impasse politique. Il y a aujourd'hui qui risque, par exemple, sur le programme des réformes, même si aujourd'hui Monsieur le maire aujourd'hui s'inscrit en faux, il dit qu'aujourd'hui il va continuer à faire ces réformes structurantes de l'État pour pouvoir avancer. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, je voudrais quand même, les syndicats aujourd'hui tournent leur regard sur la date, sur deux dates. La date du 3 mai, qui va, lorsque les sages vont se prononcer sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée, le RIP, et le 8 juin, quand la proposition de loi du groupe des députés Liot abrogeant la réforme sera au menu de l'Assemblée. Donc, pour le moment, avant d'avoir ces dates et ces réponses, ben la contestation va continuer et on peut dire aujourd'hui que la France vit une certaine instabilité politique qui risque malheureusement de mal se passer. Alors, Gamal Abina, justement, votre point de vue sur ces violences, Nasser Kabat et François de Roche en parlait de violences, certes, qui sont incompréhensibles, mais qui traduisent tout de même un malaise qui persiste en France et qui risque d'ailleurs de dégénérer. Qu'en pensez-vous ? J'ai déjà en préambule, bonsoir, rendre hommage à Brahim Bouharam qui est assassiné par le Front National en 1995, le 1er mai, devant la statue Jeanne d'Arc. Donc c'est un Marocain qui malheureusement a été dans les parages du Front National et ce parti violent l'a jeté dans l'eau en le tuant tout simplement. Donc c'est un hommage que je lui rends, c'était il y a plus de 30 ans maintenant, mais dans tous les cas de figure, pour revenir à nos moutons, là je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve oui. ça assez même choquant, pour tout vous dire. Je comprends pas qu'on prenne le problème à l'envers. C'est absolument pas la problématique des violences qui se pose aujourd'hui, c'est la problématique de la violence de cette loi qui est imposée par le haut. Il faut se rappeler que M. Darmanin avait annoncé 12 000 policiers. Il savait parfaitement, et tout le monde le savait, qu'il y aurait, avec 70 à 80% de la population, des violences dans ces manifestations parce que le peuple n'est pas entendu, parce que l'Assemblée nationale n'a pas été entendue, parce qu'il n'y a pas eu de vote, parce que c'est une loi qui est imposée par le 49.3 et que ça donne le sentiment que finalement le peuple ne compte pas. Donc c'est pas des violences qui posent problème. C'est pas parce que Louis Vuitton, je ne sais quelle autre enseigne ou quelle une banque, se voit un petit peu badigeonné de peinture ou s'il y a des feux à la Place de la Nation, et je connais très bien la Place de la Nation, puisque j'habite à deux pas de la Place de la Nation, la problématique n'est pas là. La problématique, c'est la violence sociale qui est exercée avec un homme politique, je le rappelle, M. Macron, qui peut être par ailleurs très bon à l'international, mais qui, sur le plan national, pose vraiment problème, qui a fait des promesses de ne jamais augmenter, jamais, je dis bien, donc, 2017, 2018, 2019, jamais augmenter l'âge de la retraite, et finalement, on n'a pas tenu. Gamal Abina, donc, si l'on comprend bien, donc, ces violences ne sont que les conséquences, on peut le dire, d'une politique adoptée par l'exécutif, par le président français, tout à fait, notamment. C'est la conséquence d'une action. Les Français ne sont pas des fous, ils ne vont pas s'énerver sans raison. Il faut quand même pas, il y a des plaisanteries à ne pas avoir. Aujourd'hui, on utilise des drones pour surveiller les manifestants. Aujourd'hui, on interdit aux manifestants de siffler dans les stades. Aujourd'hui, on interdit aux manifestants de porter un gilet jaune. Il y a quand même des violences d'État qui sont quand même multiples depuis 2017. Ça ne s'est pas arrêté. Puis j'ai envie de dire la censure qui commence à s'installer lentement mais sûrement. Il faut quand même pas, je comprends même pas qu'on puisse aborder la question par les violences d'abord du peuple. Ils subissent la violence. On parle de policiers qui ont été violents aujourd'hui, mais c'est logique. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de violence quand quasiment 70% de la population est opposée à une réforme qui n'a pas été discutée? Et la question qui se pose, c'est à quoi sert l'opposition, à quoi sert le Parlement, à quoi sert cette population si l'État décide quand il veut, parce que soi-disant il a été élu démocratiquement, et encore on peut en parler, de ce genre de décision. Donc les violences sont la conséquence d'une violence politique, la politique a engendré des violences sur le terrain, mais c'est pas le contraire. Je comprends même pas qu'on fasse comme dans les organes de propagande des chaînes privées qui sont les chaînes d'hommes d'affaires, et qu'on répercute l'histoire des violences sans tenir compte du fait qu'on fasse
il y a quand même des violences assez extraordinaires au niveau de la police. Les systèmes de sécurité sont absolument abyssaux. Et surtout, je le rappelle, M. Macron, lors de la finale de la Coupe de France, a eu sept lignes de sécurité pour empêcher que les gens qui étaient dans les gradins puissent envahir le stade. C'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Vraiment un État qui est devenu de plus en plus radical. Et la radicalité de la violence d'État répond à la radicalité de la violence de la rue. C'est pas une surprise. Alors, on va s'intéresser justement à la situation, on va continuer d'en parler. Donc, au moment où les manifestations ont commencé, on a vu le tweet du président français qui, justement, a remercié les travailleurs. Justement, j'aimerais vous poser la question, Nasser Kabbat, comment décrire la position dans laquelle se trouve actuellement l'exécutif et comment peut-il s'en sortir face à une tension qui ne fait que s'accentuer. Alors, pour recontextualiser mes propos introductifs par rapport à nos invités et puis notamment notre invité, alors je fais bien la part des choses. Moi, je suis parti manifester contre ce principe de loi qui nous a été imposé par le haut, effectivement. Mais par contre, quand je suis dans une manifestation ou que on traduit de manière démocratique... Vous dénoncez la violence. Je dénonce la violence, je la dénoncerai tout le temps, parce que nous sommes dans un pays démocratique où les instances républicaines doivent fonctionner, et je ne pense pas que, justement, ça soit du crédit porté aux syndicats et aux forces syndicales qui, à travers une intersyndicale, justement, regroupent leurs forces, et c'est très très bien, et ça en encourage. Mais par contre, je suis pas convaincu, quand vous avez des personnes qui balancent des pavés sur la foule, quasiment, que ce soit productif par rapport à la question politique de fond. Donc, je fais bien la part des choses. Je suis un ancien élu de la République française, j'ai longtemps été militant associatif et syndical, je crois que le combat syndical reprend ses forces et tant mieux. Je suis d'accord aussi avec le fait que, bien sûr, la violence d'État et cette violence finalement politique que subit le peuple français depuis plusieurs mois à travers cette loi ne peut pas être supportée, n'est pas supportable à juste titre, mais que je suis un vrai démocrate et que la démocratie doit s'exprimer à travers des forces entendable et surtout avec une expression pacifique. Nasser Kabbat, je rebondis justement sur la situation, la position dans laquelle se trouve actuellement l'exécutif. Comment, quelle issue à laquelle on pourrait s'attendre actuellement? On a vu, je le disais, donc ce tweet du président français qui a remercié les travailleurs au moment où les manifestations étaient à leur apogée. Alors, comment décrire la situation actuellement? La seule solution aujourd'hui de l'État français à sortir par le haut et grandir cette situation, c'est une solution politique. Il doit revenir sur ce choix qui a été fait de manière unilatérale à travers ce 49-3. C'est le seul moyen politique de sortir de cette situation qui risque d'embourber la France dans un état social dramatique et sans précédent. Monsieur François de Roche, la même question, je vous la repose. Alors, je voudrais tout d'abord revenir sur la déclaration de Gamal Abina, que j'aime bien, mais que je ne suis absolument pas du tout d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec Nasser, quand il parle que la violence est inacceptable. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Macron? Il a fait uniquement, il a travaillé dans le cadre constitutionnel. Et rien ne pourrait justifier, aucune explication ne pourrait justifier ces violences. Ces violences portent atteinte à l'image de la contestation, à l'image de cette loi qui est injuste. Et aujourd'hui, qui paye les pots cassés de cette loi? Ce sont les gens qui ont les métiers les plus pénibles. Ce sont les étrangers qui travaillent dans ce pays, qui, pour la majorité, payent le prix très lourd. Les femmes surtout. Les femmes qui aujourd'hui, depuis cette réforme, vont être pratiquement à 50% en dehors de la retraite complète, la retraite totale. Les étrangers également. Vous savez, quand on a un ouvrier qui travaille aujourd'hui, on a 25% des ouvriers qui meurent avant l'âge de la retraite. Mais quelles issues devant le gouvernement actuellement? Le gouvernement qui a en tout cas montré sa volonté de renouer avec le dialogue, il y a également la décision attendue du Conseil constitutionnel pour un référendum, pour justement valider un référendum concernant cette réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que ça pourrait... être validé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, quel est votre point de vue? Il y a très peu de chances pour que cette réforme soit retirée. Ce référendum puisse avoir lieu parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas se contredire. Aujourd'hui, il a validé
pour l'ensemble, enfin, il a validé pratiquement l'ensemble de cette réforme, aujourd'hui dans un cadre, encore une fois, constitutionnel, même si aujourd'hui, même si c'est violent, peut-être M. Macron comprendrait peut-être mieux la notation de Fitch, parce que encore, vous avez encore deux autres agences qui vont donner leur notation, et Fitch, elle est très pessimiste. Aujourd'hui, non seulement ils disent on passe de AA à A-, ouais, mais il va dire bientôt, il est très pessimiste pour l'avenir politique de la France. À cause justement de quoi ? À cause de cette contestation sociale. Donc aujourd'hui, peut-être, cette notation qui est négative va peut-être réveiller M. Macron et peut-être l'appeler à la raison. Donc selon vous, cette réforme est nécessaire, M. François de Roche, ou il y a d'autres alternatives ? Cette réforme n'était ni urgente, mais bien sûr, il faut une réforme pour la retraite. Oui. On peut pas, quand on est dans une communauté économique européenne et quand on a les Allemands qui sont et les pays scandinaves qui sont entre 67 et 69 ans, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas, la France ne peut pas rester à 62 ans. Mais il y a beaucoup, il y a des choses à prendre en considération. On ne peut pas traiter ceux qui ont des métiers pénibles de la même façon que quelqu'un qui est derrière son bureau, quelqu'un qui est avec un marteau piqueur toute la journée ou un éboueur, on ne peut pas lui demander à 70 ans d'être derrière son camion et ramasser la poubelle. Très bien. Une certaine raison, il faut revenir à la raison pour que cette loi puisse être acceptée. Il faut la faire, mais il n'y a aucune urgence et il n'y a aucune nécessité pour cette brutalité. Gamal Abina, votre point de vue justement sur ce référendum, sur la position dans laquelle se trouve actuellement l'exécutif face à cette colère qui ne fait que s'accentuer. J'aime beaucoup François de Roche, qui est un ami, il n'y a pas de problème là-dessus. On ne partage pas du tout la même vision des choses. Je pense que cette réforme n'était non seulement pas nécessaire, mais absolument inutile. Je rappelle des chiffres pour quand même se rendre compte de la réalité. 900 millions d'euros d'excédent cette année, et c'est la retraite sont excédentaires depuis 25 ans au moins. Donc il y a une véritable cagnotte considérable qui a été cumulée, ce qui fait que ce fameux déficit des retraites était largement compensé par les excédents qui ont été enregistrés pendant des dizaines d'années. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il aurait fallu négocier, mais pas maintenant, parce que maintenant il l'a imposé par la force, que M. Macron, et d'ailleurs c'est pas lui qui devait le faire, ça aurait dû être la Premier ministre, elle aurait dû négocier et non pas mépriser les syndicalistes comme elle l'a fait. Quand on fait une réforme, qu'on la passe par la force, le 49-3, article largement discutable en termes démocratiques. Je rappelle que le 49-3, dans tous les pays démocratiques, c'est le seul pays démocratique au monde qui impose une loi par la tête de l'État. Et c'est une loi qui est imposée par un militaire, le général de Gaulle, pour empêcher que le Parlement ne tourne en rond. Sauf que là, ça a été imposé au peuple, pas au Parlement. Donc on n'est plus dans la démocratie. Que faut-il ? Quelles sont les alternatives ? J'allais répondre à votre question. Allez-y. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question de perdre la face. M. Macron s'est largement engagé sur cette réforme, n'a pas pris le recul nécessaire, l'a imposé, n'a pas négocié avec les syndicats. Et quand Mme Borne a reçu les syndicalistes après le vote, elle a dit « on négocie tout sauf l'âge ». Et je ne suis pas d'accord sur le fait que l'âge est un problème, encore une fois, parce qu'on ne peut pas se comparer à des pays qui payent bien leurs salariés comme l'Allemagne ou la Scandinavie. Ils sont très bien payés, c'est en moyenne 500 euros plus par salarié, c'est une chose. Et surtout, on ne peut pas négocier de façon fermée en disant « tout est négociable sauf l'âge ». Puisque c'est l'âge la problématique, le problème qui se pose, la vraie problématique, c'est une question d'âge. Et là, en l'occurrence, la question qui est posée par M. Macron, c'est qu'il en a fait quasiment une sorte de cheval de bataille de son quinquennat. Donc il n'en reculera pas parce qu'il ne le veut pas pour une question de fierté mal placée, je le suppose. Et de l'autre côté, les syndicalistes qui sont de plus en plus à vent debout, et je les comprends, avec une population qui est derrière eux pour la première fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça depuis les lois, à l'époque, des réformes qui étaient faites en 95, ça s'est mal passé. Eh bien, il faut se rappeler quand même que aujourd'hui, il y a un blocage total parce que l'exécutif refuse de négocier. Il ne propose pas de négocier. Il a dit c'est imposé. La Chambre haute et le Conseil constitutionnel l'ont imposé. Il n'y a pas une négociation. On est vraiment dans un déni de démocratie qui est extraordinaire. Il refuse même le fait que le peuple puisse demander un RIC ou un RIP ou je ne sais quel autre référendum, alors que De Gaulle, lui, avait mis sa bataille politique en avant en disant « j'autorise le peuple à pouvoir s'exprimer ». Eh bien là, aujourd'hui, il y a un verrouillage de la démocratie par des hommes politiques qui se croient vraiment détenteurs du pouvoir absolu et qui expriment réellement, et c'est ça qui est le plus grave, une sorte de mépris de classe, j'en veux pour preuve, la façon dont M. Macron a parlé du mouvement des casseroles, se moquant d'eux directement, disant que ça ne fera pas marcher l'économie française.
je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, si la France est dégradée par les agences de notation, c'est pas parce qu'il y a une retraite qui passe ou ne passe pas, c'est simplement parce que le pays est en train de s'enfoncer lentement mais sûrement dans une crise structurelle économique, incapable de réformer l'économie, non pas les retraites, mais l'économie, en relançant la machine économique, et c'est ce qui fait que la France va mal aujourd'hui. Alors, où va la France face à ce bras de fer qui semble se durcir? En tout cas, on le comprend. Nasser Kabat, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression également qu'une crise peut en cacher une autre, puisqu'on l'a vu avec cette feuille de route présentée par l'exécutif dernièrement devant le Parlement donc français, où on a évoqué justement une nouvelle loi sur l'immigration, un projet de loi sur l'immigration qui finalement a été écarté. Quel est votre point de vue sur donc ces crises successives ? Écoutez, moi je pense que la gestion d'un pays au sens politique et au sens noble, j'oserais dire du terme, au sens romain du terme, c'est une gestion de politique avec l'approbation ou en tout cas un consentement acquis du peuple de ces grandes réformes. Je crois qu'aujourd'hui, Macron paye un petit peu cette insolence qui déjà depuis dans ce pays depuis plusieurs années fait comme si les corps intermédiaires n'existaient plus. On parle de trop de verticalité en ce moment dans la gouvernance. Je me souviens de cette avec ce petit sourire narquois de l'époque de Sarkozy quand il a déclaré vous vous rendez compte qu'en France quand il y a des manifestations aujourd'hui des grèves personne s'en rend compte. Donc c'était un peu le début d'un mépris. Et puis on se rappelle aussi que c'est quand même cette histoire de gilets jaunes pour moi qui n'a jamais été finalement terminée en réalité. Je crois que ça a été c'était quelque chose qui est resté dans le corps des Français, de ceux qui ont contesté cette période. Et venu le Covid entre-temps, ça a calmé plus ou moins la volonté du peuple d'avoir à exprimer ce ras-le-bol de ces choix politiques qui étaient faits malgré eux. Oui. Et en plus de ça, je pense qu'il y a deux choses, deux erreurs fatales qu'a fait Macron avec son équipe. C'est d'abord sur le point de vue, on est en post-Covid, les gens ont subi beaucoup de choses durant ces 2-3 dernières années. Premièrement, et secondo, de faire semblant que les corps intermédiaires et les syndicats et la force sociale de ce pays étaient mortes. Vous voyez ? Et je pense que c'est aussi ça, une vieille démocratie, c'est qu'à tout moment, elle rappelle que le peuple peut reprendre finalement le corps du débat, même si quelque part la rue s'exprime et elle doit s'exprimer. Je crois que c'est une erreur fatale qu'a fait Macron et du haut de son finalement de son manque d'expérience. Ça n'a pas été un homme de terrain, ça n'a pas été un élu de terrain qui a besoin d'aller chercher dans son expérience finalement qu'on laisse les Français grogner trop longtemps, c'est laisser finalement la rue reprendre le dessus. Et je crois qu'aujourd'hui on est dans cette expression là qui à mon avis est complètement démocratique aussi et je crois qu'elle est importante et je le répète. Plus il y aura des Français dans la rue, plus ça sera important pour faire reculer le gouvernement, parce que pour moi, c'est le seul moyen démocratique. François de Roche, brièvement, la mobilisation est importante, selon vous ? Bien sûr, la mobilisation est importante et ça peut vraiment dégénérer. C'est ça ce qui est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, il y a une colère. Il y a aujourd'hui, la base, elle est en colère. Et le gouvernement mise sur cette résignation et les gens le savent. Aujourd'hui, il y a l'État, il est en train de scruter, en train d'observer, en train de voir comment agir. Mais il y a des tensions qui sont réelles, des tensions qu'il faut prendre en considération et surtout des tensions qui peuvent malheureusement tout faire basculer. Il faut le peuple français a élu M. Macron, même si sa façon de faire, même si elle est constitutionnelle, en tout cas, même si elle est légale, elle n'est absolument pas du tout morale, mais elle ne peut pas s'appliquer sur la France qui travaille, la France qui... Je vais donner le dernier mot, si vous le permettez, M. François de Roche. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Gamal Abidine, en 10 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais également rebondir sur le fait que les Français de l'immigration sont également engagés en faveur de toutes ces réformes qui sont actuellement sur la table en France. Et c'est important de le souligner, parce qu'à un moment donné, dans le débat en France, on a entendu parler de ces Français issus de l'immigration qui sont presque à l'écart de ce qui se passe, des mouvements de contestation, notamment. Mais je vous confirme qu'ils sont à l'écart, et on le comprend très bien. En 2005, on n'a pas été entendu, on était tout seul face à
à la police et à l'État, contre Sarkozy. Les Français sur l'immigration savent qu'ils n'auront pas de retraite. Ils ont très peu de chances d'accéder au travail, c'est très difficile, et ils se font une retraite par capitalisation. Ensuite, pour parler des réformes, je rappelle que Léon Blum, le Front Populaire, ils ont arraché les réformes. Ça n'a pas été négocié dans la douceur. C'est négocié dans la violence de rue, malheureusement, parce que l'expression violente de la rue, parfois, donne des résultats. Mais surtout, à chaque fois qu'il y a une réforme qui arrive, elle est arrachée dans la douleur et dans la négociation du rapport de force. Là, aujourd'hui, le rapport de force, c'est imposé par le haut, ce qui a été refusé à la base, et c'est un recul social aujourd'hui. On veut faire peser sur les vieux les difficultés d'un pays sur le plan structurel et macroéconomique, alors que, en vérité, la problématique, elle se pose au niveau de l'État. Alors, les hommes politiques qui ont mal géré auraient dû être poursuivis. Merci donc à mes trois invités de nous avoir donc livré leur regard, leur point de vue sur l'actualité en France. Donc merci à Gamal Abina, merci à Nasser Kabat et à François Deroche pour leur contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al24 News.